nous aurons à faire en sorte que les pays les plus importants du monde puissent donner une impulsion, là encore, à la croissance, à la régulation, avoir une lutte contre un certain nombre de pratiques déloyales, favoriser les échanges et également réfléchir à tout ce qui menace la paix. Et l'Europe doit aussi être présente, elle le sera. Elle le sera par les pays membres du G20, elle le sera par ses institutions. Mais nous voulons que l'Europe puisse peser sur le destin du monde. Les pays européens feront tout leur possible pour que des mesures favorables à la croissance soient mises en œuvre, qu'on lutte contre le protectionnisme. Nous avons besoin d'un commerce international, d'échanges internationaux qui fonctionnent bien. Cela sera propice à l'ensemble de la communauté internationale.